Ni pour le développement que le Bénin a initié le projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole pour la transformation socio-économique des zones rurales. Ce projet, dénommé PPER en abréviation, est une réponse à l'exigence de développement et de création d'emplois dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes. Le projet entrepreneur agricole est articulé autour de 4 axes d'intervention comme suit. Le premier axe, c'est la création de centres d'incubation et de centres d'installation suivant le modèle Songhai dans les départements en fonction des différentes zones agroécologiques du Bénin. Le deuxième axe est celui du développement des compétences et suivi accompagnement des jeunes et des femmes en entrepreneuriat agricole. Le troisième axe est celui de la facilitation de l'accès aux intrants, aux technologies, aux crédits et aux marchés pour les entrepreneurs agricoles formés et installés. Le quatrième et dernier axe porte sur l'amélioration des infrastructures et des services sociaux de base dans les zones d'implantation des différents centres. 15 sites ont été identifiés pour accueillir les nouveaux centres d'incubation des jeunes entrepreneurs agricoles, dont celui de Zomo, dans la commune de Zanyanando. Avec une superficie de 750 km² et près de 50 000 habitants, Zanyanando possède de nombreuses potentialités agricoles, dont une importante réserve de terres et de bas-fonds non encore exploités. Pour le maire de la commune, le PPA est une initiative qui rayonnera non seulement sur Zanyanando, mais aussi sur les communes environnantes et limitera l'exode rural. L'enjeu pour nous à travers ce projet est la formation axée sur l'esprit entrepreneurial qui consiste à changer les mentalités des jeunes et qui donne priorité aux valeurs cardinales de travail, de professionnalisme et de l'intégrité. Il s'agit aussi de promouvoir le développement des capacités locales et des infrastructures basées sur des mesures incitatives qui touche directement la motivation et l'intérêt personnel de chacun et de chaque commune, l'accompagnement, la promotion des technologies, l'investissement dans les zones rurales pour accroître la production en qualité et en quantité, d'encourager la transformation des produits primaires en vue de créer de la valeur ajoutée, le développement des moyens de communication, etc., pour transformer les jeunes chômeurs chercheurs de travail en créateurs d'emplois. 100 jeunes ont été aussi identifiés pour être formés dans le centre d'incubation de Zanyanando. L'incubation au centre Songhai, ce n'est rien d'autre qu'une intégration entre 3 secteurs principaux. Il y a la production végétale, il y a également la production animale et le secteur tertiaire. Pour ceux qui ont déjà visité le centre Songhai, ils savent déjà que rien ne se perd. Et le centre Songhai, ce n'est pas un centre où peuvent vivre les paresseux, si je ne m'abuse, pendant au plus une semaine. À la fin de la formation, ceux qui avaient déjà une activité entrepreneuriale retourneront à leurs occupations. Ceux qui disposent de terres non valorisées se feront installer et le reste travaillera dans les centres d'incubation en attendant d'être autonomisé. À travers ce projet, le gouvernement entend inverser la tendance des investissements afin de rendre le milieu rural attractif et de réduire significativement l'exode rural. Il vise à transformer les avantages comparatifs en avantages compétitifs par l'amélioration de la fertilité des terres, par la vulgarisation des variétés et essences agricoles adaptées et de forte productivité. En outre, ce projet s'appuiera sur l'amélioration du capital humain affecté à l'agriculture, en renforçant les capacités des jeunes déscolarisés, dévoués, engagés et motivés à faire carrière dans le secteur agricole. Le PPR n'est pas un projet pour ceux qui rêvent de gains faciles. Les autorités à divers niveaux, élus locaux, têtes couronnées, responsables du projet, l'ont bien signifié aux populations de Zanyanando et environ, venues nombreuses assister à la pose de la première pierre du centre d'incubation de Zomo. Une autre initiative de grande portée sera bientôt lancée avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement pour la mise en place du Business Promotion Center dans toutes les régions du Bénin. Il s'agit de centres intégrés où les jeunes de nos différentes localités peuvent se rendre et se faire accompagner depuis leur idée de projet jusqu'à